Donc, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter trois systèmes de rations que j'aime quand même, que j'aime beaucoup. Et on va commencer tout de suite par numéro 1, une sorte de magasin que j'ai trouvé sur la chaîne de Virox. La chaîne sera dans la description. Donc ici, on nous offre une émeraude pour une étoile du Nether. Après, je vais vous montrer les systèmes, bien sûr. Donc, j'ai une émeraude. Donc, je vais la jeter. Je crois pas que ça marche. Oh, une étoile du Nether. Donc, le système est compliqué pour certaines personnes. Mais quand tu regardes bien la vidéo, comment ça marche, je mettrai aussi le lien de la vidéo, comment le construire. Donc, derrière, on a un système quand même assez petit, mais qui peut être compliqué. Donc, ici, on a l'hopper qui va descendre. Ici, on a des petites affaires. Donc, ça monte. En fait, ça, c'est une chose qui permet de faire comme tant que c'est pas le bon objet, ben en fait ça va pas envoyer un signal. Ça va envoyer un signal, mais pas assez. Pas un signal. Le signal qui va donner ça. Donc c'est assez simple. De toute façon, je vais mettre la vidéo dans la description. Et regardez, ce qui est cool, c'est que c'est pas comme imaginons. Oh, oui, ça marche comme ça, mais si imaginons, on fait ça. Ça veut rien faire. Ça veut rester là. Et ça, vraiment, c'est un anti-vol. Bon, pas un anti-vol, mais c'est un anti... un anti-kikou. On pourrait dire ça. Un anti-voleur. Bon, on pourrait dire ça. Donc, on va passer au deuxième pied. Ce que je vous ai fait est un ascenseur que j'aime beaucoup. Un ascenseur à item. Donc, je vais prendre, imaginons, du diamant, de l'or, des briques. Bon, je vais prendre aussi de la mode de glaise. Je vais prendre, voilà, des barres de blaze, imaginons. Donc ici, c'est quand même assez intéressant. Là, je me suis pas compliqué la vie, j'ai pas fait une chose de gigantesque. Ouais, ça c'est pas c'était la dernière vidéo. Vraiment, vous pouvez, je vais vous montrer comment le grossir en fait. Donc, vous imaginons, vous êtes en bas d'une mine, vous fabriquez ça pour, imaginons, emmener votre stuff en haut. Vous allez prendre votre stuff, vous allez mettre là, et vous allez peser, boum, il part. Et où qu'il se ramasse? Ici. Donc, là après, vous faites ça avec vos autres choses. On y peut mettre plusieurs stacks en même temps, c'est ce qui est intéressant. Voilà. Et là, tout vos stuff est ici. Donc, voici le système. Il est assez simple. Je vais me mettre en game mode 3 pour le montrer. Donc, vous avez ici une affaire. Et ici, vous allez en voir le bouton qui va envoyer un signal dans le répéteur par le bloc, qui va envoyer une énergie là, qui va activer le piston, qui va pousser de la vitre. Et en même temps, ça va envoyer une impulsion dans ce bloc-là. Et là, ici, il y a une torche qui va être désactivée, qui va réactiver cette autre torche pour que ça repousse. C'est fait sur le concept qu'en fait, vous avez connu sûrement ce concept si vous êtes vraiment. Tout le monde devrait connaître ce concept. Donc, imaginons, je prends un bloc de gazon. Je mets un petit peu de diamant pour empêcher les lags et que les objets soient glitchés. Quand un item se retrouve dans un bloc, il va remonter. Et en passant, ça, c'est totalement du vert.
C'est très intéressant. Comment on fait ça? Donc, là, en fait, vous avez juste à pas terminer de mettre du... Attendez, je vais juste prendre du verre pour vous montrer. Là, imaginons vous avez votre système. Et là, vous montez, en fait, il va falloir à chaque fois que vous faites ça. Ça, à chaque fois. Et puis, je vais mettre aussi la vidéo de Zephyr, comme ça, et sa chaîne. En même temps, c'est un des premiers youtubeurs que j'ai regardé. Donc, c'est un bon youtubeur, mais maintenant, je l'écoute plus vraiment. Donc, on va passer au troisième système. Voici le dernier système. J'ai pas encore vidé mon inventaire. Donc, ceci est un système, c'est une astuce, un passage secret, qui est drôle, on peut se le dire. Donc, le papier 3, le papier caché, je l'appelle comme ça, et le créateur est inconnu, donc on ne sait pas vraiment, en même temps, c'est... Je sais pas, en tout cas, je ne sais pas, c'est quoi. Donc là, s'il y avait un passage secret dans cette salle, vous allez me dire, oh, il faut retourner ça. Non, il n'y a rien qui se passe. Même si je regarde sur les affaires, non, il n'y a rien. Parce que ça, c'est pour cacher le système. Faut pas vous faire spoil. Et là, vous ici, vous avez une toilette. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce petit bouton qui est caché ici. Bam! Bon, apparemment, ça marche pas. Mais, regardez. Ça, apparemment, ça devrait marcher. Oh, j'ai compris. Donc, j'ai fait une petite erreur de Hearthstone. Donc, vous pesez là-dessus et bam, vous avez un passage secret. Il reste juste à être rapide et voilà, vous avez votre passage secret. Donc, je suis pas sûr. La majorité des personnes ont sûrement. Peut-être que vous avez cru le lavabo. Mais la majorité des pros vont se dire oh non, ça peut pas être le lavabo. Ou peut-être qu'ils connaissent déjà le système. Ou en fait, ils vont dire comme non, c'est pas le lavabo parce que c'est trop connu. Voilà, si c'est trop connu, ça peut seulement être de la déco. Voilà, c'est ça. Bon, cette vidéo était assez courte. C'est normal, j'ai pas trop le temps, hein. Je suis en mode relax. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas le petit like et l'abonnement. Et à la prochaine. High five. Ah ben merci.